Bonjour mes louveteaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un premier changement. Soyez attentifs. Le premier changement d'un jeune loup-garou marque un tournant dans sa vie. C'est quand il voit pour la première fois le monde tel qu'il est. Il réalise également que son corps a subi des changements exceptionnels. Ses sens s'emballent et le monde explose en une palette vertigineuse de senteurs et de sons inconnus des sens humains. Il commence à moins considérer les humains comme des amis et à les organiser en catégories de menaces ou de proies. À un moment donné, après le changement, le jeune loup-garou apprend qu'un monde spirituel entier se trouve au sommet du monde physique. Ses révélations pâlissent devant le choc de son corps qui se rebelle contre lui-même. Avant le premier changement, un Usuzul, un loup-garou sur le point de changer, peut croire qu'il est en train de devenir fou. En fonction de son auspice, un jeune loup-garou peut apercevoir les îles, le monde des esprits, être abordé par des esprits ou bien commencer à entendre ou à sentir des choses bien en dehors de son expérience antérieure. Des figures intimidantes commencent à le suivre alors qu'il se rend au travail ou à la maison. Des créatures ressemblant à des gremlins jouent dans les coins de sa vision. Ces phénomènes commencent modestement et n'apparaissent que rarement. Plus il s'approche de son changement, plus ces événements se produisent fréquemment. Le Nusuzul est tourmenté jusqu'à atteindre un point de rupture. Il devient fou ou il doit changer. Lors de son premier changement, le nouveau loup-garou déchaîne sa rage dans un tourbillon de crocs, de griffes et déchirant la chair. Les loups-garous racontent différentes expériences au cours de leur premier changement. L'événement est unique et déterminant pour chaque Urata. La phase dans laquelle se trouve la lune a un effet profond sur le nouveau loup-garou. Il détermine son auspice, son rôle sacré au sein de la meute. Les auspices d'un loup-garou affectent son changement plus que toute influence extérieure.